Bonjour et bienvenue à notre cours d'allemand, Apprendre allemand avec Michel. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cours? Alors, le cours est pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je veux que vous puissiez apprendre l'allemand avec l'efficacité maximale et avec plaisir. Il faut que vous aimiez le procès d'apprendre l'allemand. Sinon, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, c'est pas une bonne chose, je trouve, d'apprendre une langue et sans réjouir un peu le procès. Alors, le cours, c'est pour les débutants et pour les avancés. Ça dépend de votre niveau de langue, c'est de A1 jusqu'à C2. Alors, c'est pour les débutant zéro jusqu'au presque maternel. Alors, on va parler, écrire, lire et améliorer la compréhension auditive. Parler. Vous parlez tous les jours avec les voisins, peut-être avec des amis. En Allemagne, vous faites des achats. Alors, vous êtes déjà en Allemagne. Il vous faut pouvoir communiquer. Il vous faut la communication de tous les jours. On va améliorer ça et vous apprenez que c'est pas difficile de faire ça. Peut-être vous voulez seulement faire un voyage en Allemagne où vous allez régulièrement en Allemagne pour vous amuser. Vous allez à Berlin, c'est une ville où on peut faire beaucoup de choses, il y a des musées, il y a beaucoup de culture, il y a l'architecture intéressante. Alors, c'est une capitale vraiment splendide. Et de temps en temps, vous allez là-bas et vous voulez faire des tours touristiques à Berlin. Alors, on peut préparer ça ensemble. Vous faites des achats, vous devez voir un docteur, vous êtes malade peut-être. Alors, comment est-ce qu'on parle avec un docteur? Comment on peut décrire une maladie? Vous voulez manger dans un restaurant, vous voulez dire au garçon ce que vous voulez manger. Alors, on fait ça. Vous avez intention de faire une conversation professionnelle. Il y a quelques ans, j'ai enseigné des infirmières en Allemagne sur les situations dans une clinique, comment parler avec les docteurs, comment parler avec les malades. Alors, je veux vous dire comment préparer des conversations professionnelles. Écrire. Vous écrivez des lettres privées à des amis, des lettres formelles, des lettres officielles. Par exemple, vous voulez vous plaindre avec une lettre que vous avez acheté quelque chose qui ne fonctionne plus, après, qui ne fonctionne plus, après peut-être déjà seulement une semaine. Alors, vous employez des formules très 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 formel, vous êtes formel, mais vous dites directement et clairement les conséquences qui vont suivre si la personne ne reprend pas le produit, le computer par exemple que vous avez acheté. Vous voulez lire des lettres des amis, vous voulez lire la littérature, les journaux, vous pouvez faire ça en ligne, on peut faire ça ensemble. Alors, je vous dis maintenant une caractéristique de la langue allemande, c'est que souvent vous avez deux parties d'un verbe dans une phrase. Une partie à la deuxième position après le sujet, une autre partie à la fin de la phrase. Si vous savez ça, c'est beaucoup plus facile de lire.
Il faut trouver les mots clés. Avec les mots clés, on peut très facilement lire un texte sans comprendre 100%, mais vous trouvez plus, vous comprenez plus ou moins le contenu du texte. La compréhension auditive. Il faut écouter beaucoup, beaucoup, en tant que vous puissiez et s'amuser un peu quand vous faites ça. Moi, j'essaie d'apprendre le russe, c'est vachement difficile, mais je regarde beaucoup de films dans la langue russe et ça me plaît beaucoup et c'est, si vous voulez, c'est pas un boulot pour moi, hein, je m'amuse à faire ça. Alors, la grammaire. La grammaire allemande est vachement importante, mais il faut essayer de comprendre la grammaire dans un contexte. Je vous donne des règles, souvent, je vous dis les règles, si c'est important, et je vous demande aussi de me dire les règles. Je vous dis, par exemple, regardez le verbe, vous avez, vous avez le pronom tu, du, auf Deutsch, et regardez le verbe. Et c'est toujours comme ça. Et comme ça, vous comprenez les règles vous-même. Et si ça marche bien, si vous avez bien compris, je dis oui, super, bien fait. Alors, vous m'enseignez l'allemand. Pas tout l'allemand, mais de temps en temps, et de temps en temps, je vous dis les règles moi-même. Alors, c'est ce qu'on peut faire et vous me dites plus concrètement ce qu'il vous faut. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon canal de vidéos sur YouTube. Et j'espère bien qu'on peut, que je puisse vous enseigner un peu l'allemand en ligne. Ou peut-être quand vous êtes au Vietnam, on peut faire ça directement. Parce que pour le moment, je suis au Vietnam. Ou parfois, je suis en Thaïlande. Parfois, je vais aller en Afrique. Peut-être là-bas, ou de temps en temps, mais rarement, je suis en Allemagne aussi. Alors, peut-être à la prochaine. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.